Bonjour à tous, ici le Shitty Player. On se retrouve pour la quatrième partie du Let's Play de Jak and Daxter sur PlayStation 2. Alors voilà, hein, je vous l'avais bien dit, hein, comme vous pouvez le remarquer, hein, vous vous souvenez d'où est-ce que j'avais arrêté, hein, je m'étais mis sur le bateau du pêcheur et j'avais sauvegardé. Et bien quand on recharge la partie, regardez où il m'a mis. Il m'a remis chez Samos. Allez, donc on n'a plus qu'à y aller. Oh, je vous jure. Ça, les systèmes de sauvegarde, c'est quand même pas tout à fait au point. Bon, heureusement, j'ai pas trop à parcourir, le bateau est là sur la droite. Donc on va pouvoir y aller. Donc maintenant, pour cette partie, destination l'île de la brume. Apportez vite les piles d'énergie. J'attendrai à l'entrée du canyon de feu, au sommet de la falaise, derrière la maison du fermier. Eh, ça va, tu me l'as déjà dit, c'est bon, hein. Oh non, mais franchement, n'importe quoi, hein. En plus, j'allais dire pourquoi je peux plus bouger. Bah voilà, pour ça. Enfin bref, donc l'île de la brume, hein, l'endroit où on se trouvait lors de la cinématique d'introduction, hein, lors de l'acte de désobéissance. Donc allez, c'est parti. On va bien s'éclater. Parce que je vous assure que l'île de la brume, c'est un des niveaux que j'aime pas. Mais bon, déjà c'est un petit peu le bordel, vous allez voir qu'il y a des trucs de partout, mais bon. Ah bah bref. Donc allez, là le bateau va s'arrêter. Voilà. Île de la brume, comme c'est marqué. Cet endroit me donne la chair de poule. Et crois-moi, c'est une sacrée expérience quand tu es recouvert de poils. Ouais. Alors, ah tiens, ici quelque chose d'intéressant. Là vous voyez, je me mets là, là il y a un rocher à l'autre bout. Si je fais une attaque au sol dessus. Ouais, sauf que j'ai loupé les orbes. Ah, vous avez compris le principe. Voilà. On va me ramasser tout ce qui passe. Étant donné que le but c'est quand même de faire un 100%. Attention à lui. Alors lui, il faut d'abord faire ça et retaper une deuxième fois. C'est un gros méchant pas beau. Ah, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Alors regardez le truc qui brille. Alors déjà lui s'il pouvait venir pour que je lui en mette un pain dans la gueule. Allez encore. Hey, je vois la muse du sculpteur. Oui bon enfin bref, donc elle nous fuit, mais bon pour l'instant en fait je vais pas lui courir après tout de suite. Je voulais d'abord faire d'autres petites choses. Mais je peux sortir oui. Là vous voyez qu'il y a une petite plateforme avec une pile d'énergie là-bas. Je suis au courant. Si tu me laissais expliquer un peu aux gens, ça irait mieux. En même temps, il est pas censé deviner. Alors, l'écho bleu en voilà. Ne tombe pas dans la brume en dessous. On ne s'en sortirait jamais. Je prends l'écho bleu, ça va peut-être être short, non? Ouais d'accord, c'est trop court. Attendez, y'a quoi là-bas? Ah, on peut aussi arriver par là, ok. Oh, je me souvenais plus qu'il y avait ces ennemis là. Bon, alors on va passer par l'autre côté. Allez, on y va. Donc si vous voyez cette espèce de truc blanc vertical, c'est censé être un bout d'os en fait. Si je fais ça. Voilà. Alors maintenant je vais pouvoir ramasser de l'écho bleu en pagaille. Oh merde. Bon, vous avez vu l'effet des boîtes d'écho noir, hein. Alors, normalement ici je devrais pouvoir cette fois-ci. Oh putain non. Bon, toi déjà tu vas. Aïe. Tu vas mourir je te dis. Reviens. Non mais oh, pas de ça chez nous. Ah là ça va être intéressant. Vous voyez que cette fois-ci il y a de l'écho rouge. Je vais la prendre. L'écho rouge rend tes attaques plus puissantes. Voilà, merci Daxter de l'explication, hein. Ah, joli le saut. Alors en ramassant de l'écho rouge, je pourrais frapper plus fort. Vous avez vu que le gros lurker, là, j'ai pu le tuer en un coup. Alors que normalement, il en faut deux. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir aller activer la plateforme sans problème. Enfin, normalement.
Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Daxter le robot. Ah d'accord. D'accord, la plateforme n'a même pas attendu, elle s'en va comme ça. Heureusement qu'elle revient. Il manquerait plus que ça, tiens. Bon. Alors maintenant, on va continuer. Ah ouais, c'est joli, là. Là, je vais pouvoir me faire du lurker. Hop. Et les deux en même temps, en plus. Voilà, et même ça, vous avez vu, là, même en un coup, je peux me le faire. Bref, donc ici, il y a une porte avec de l'écho bleu. Je vais pas y aller tout de suite. Est-ce que je pourrais faire un saut roulé jusque là-bas? Ouais, large. Tu croyais que je t'avais pas vu? Alors là, attention, enfin, en même temps, ça se voit tout de suite avec les plateformes de couleurs différentes. Elles s'effondrent dès qu'on marche dessus. Et on va sauter. Hop. Ah ouais, c'est joli ça. Voilà, un petit peu de récupération. Y a rien en bas, on sait jamais. Bon, y a des orbes là dans l'eau, mais c'est pour autre chose. Donc maintenant, on va... Oula, je sais pas si je vais... Oh, j'ai de la chance là. J'ai cru que j'allais retomber dans le vide. Allez, on va prendre l'écho bleu là pour ouvrir la porte. Et maintenant, ça va faire mal. Tu te souviens de ce qui s'est passé ici la dernière fois? Oui, oui, je m'en souviens. Alors là, on va se faire attaquer. C'est une embuscade, Jack. Je suis au courant. C'est une embuscade. Je sais, pas besoin de le dire deux fois. Ah, voilà de l'écho rouge. Alors, je fais pas de quartier. Par contre, si je pouvais avoir de l'écho rouge. Ah, bah y'en a là-bas. Oh, mais elle a disparu, d'accord. Je suis un peu dans la merde là. Ah, oui, faut forcément voler pour. Oh non, ça y est, je suis mort. Eh bien, je préfère que ce soit toi que moi. Ouais, Daxter ne se mouille pas trop. Bon, bah, on va la refaire. C'était pas la peine de me remontrer la cinématique. Ah, vous faites moins les malins maintenant. Il y en a un qui m'attaque avec un canon là. D'accord, j'ai réussi à me faire toucher quand même. Allez comprendre. Ça y est. Par contre là vous voyez qu'il y a des coffres ici comme dans la plage sentinelle, mais il me semble que le canon ne tire pas jusqu'ici. Là cette fois-ci je serai obligé de me les faire par moi-même. Donc on va monter par les escaliers qui sont là. Il me semble avoir une pile d'énergie en haut. Elle me dira après ce qu'on vient de... Cet endroit me fiche la trouille. Essaie de ne pas tomber là-dedans, d'accord? Oui, je vais essayer de ne pas tomber là-dedans. J'aime bien comment il dit. Bah toi, mon petit Daxter, tu devrais pas danser sur cette plateforme, hein, si t'as pas envie de tomber. Il est où le canon? Ok. Attendez, j'essaie de trouver le canon. Ah voilà, le vlog, il est là. Ah, il y a eu un tout petit bug. Et ils m'ont pas vu. Coucou. Ah si, quand même, quand je me suis approché, il s'est retourné.
j'avais pas vu j'avais pas vu le dernier cœur. Et il y a cet orb-là que j'avais pas vu. Voilà. Vous avez vu l'écho rouge qui sert pas à grand chose, mais hop, ici c'est pareil que tout à l'heure. Wow. Aïe. Je l'avais pas vu. Mais putain, hé. Non mais j'appuie sur les boutons pour lui donner des coups, il en a rien à battre, mais c'est quoi ces conneries? Toi je t'ai vu. Lui il m'a peut-être vu aussi. Mais je t'ai pas raté. Tain, c'est seulement la deuxième mécamouche. Vous avez vu que c'est beaucoup plus dispersé qu'au début. Hein. Donc ici, est-ce que je descends? Non, je pense pas. Non, c'est de l'eau, donc je ne descends pas. Et je vais faire un petit tour par là. Je vais essayer de pas mourir, hein, parce que je suis bien parti, là. Et c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Non mais je sais pas, mais l'acteur il est très doué pour me dire des trucs comme ça que je fais depuis le début. Hein. Oh, je l'avais pas vu. Et j'ai réussi à pas crever. Ah, là il faudrait de l'écho bleu pour ça. Venez ici. C'est quand même long de ramasser 50 des petites échos, surtout quand on est comme ça là avec un tiers de cœur. Je vais essayer quelque chose. Hein. Je vais essayer avec l'écho bleu qui est là, je sais pas si je vais en avoir suffisamment. Surtout si j'atterris dans la boue. Non, j'en ai pas assez. Où est-ce qu'il y a de l'écho bleu sinon? Voilà, j'ai récupéré un point de vie, c'est déjà ça. Oula, qu'est-ce qu'il me veut lui? D'accord. Il m'ignore totalement. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Ah, je voulais pas la prendre. Bon, c'est pas grave. On va aller rapidement par là. Non mais avec celle qui est là, c'est trop short. À moins que... Attendez, parce qu'il me semble que les échos se cumulent. Bon, en fait, non pas vraiment. Surtout que je marche moins vite comme ça. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir quand même. Voilà. Alors, ensuite ah bah non, faut monter par là, je suis bête. Attendez, j'ai juste 13 minutes, ça va. Voilà, donc là sur le bateau des lurkers. Hein. Oui, je sais, toi là en bas, tu m'as vu. Allez, viens, hop. Ah, je suis un peu coincé là. Hop. En fait, je pensais pas que le fait de se mettre là sur la grille, ça pourrait regarder. Regardez, ça me bloque. Eh ouais, t'es bien niqué à pas pouvoir sauter. Alors, avec le truc que vous voyez là, on va bien s'éclater. Alors, vous voyez, il y en a qui roulent, il y en a qui sautent. Voilà. Oh là, j'ai encore récupéré un point de vie. Oh, aïe, 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 ça fait mal ça. Et le bruit des... Le bruit des orbes va rebugger. Je vous le dis, ça va bugger à tous les épisodes. Ah ça... Putain, mais non, tu te fous de ma gueule là. Je vais sauter au-dessus.
mis des orbes à rebugger. À chaque vidéo, je vous le dis. D'accord. Oula, il y a eu un bug, je me suis pas baissé là. Mais putain, tu te fous ma gueule! Faut dire aussi que j'essaye de faire un double zoom, mais manette se déclenche qu'une seule fois, alors comment vous voulez que ça marche? Avec du matériel de merde comme ça, comment vous voulez que j'y arrive? Bon, on va se faire celui avec le canon là. Enfin, plutôt ceux, parce qu'il y en a plusieurs. Bon. Je dois l'admettre, je suis impressionné. Vous vous en êtes très bien tiré. Désormais, les Lurkers ne peuvent plus ouvrir ce silo pour envahir le monde des Connoirs et causer sa destruction. Ce n'est pas la peine de sourire bêtement, Daxter. Vous avez encore beaucoup à faire. Allez, action. Oups. Bon. Avant que Samus n'intervienne, hein, j'allais dire quelqu'un pour me faire don d'une manette de PS2. Parce que sérieux, quoi. Mais sérieux, là, les 2-3 fois que je me suis pris un machin qui roulait, là, c'est parce que je voulais faire un double saut et qu'il ne prenait pas en compte. Voilà, donc vous voyez que là, je me sers du canon pour exploser les coffres avec les orbes. Voilà, normalement, je les ai tous. Ok. Bon, bah maintenant, on va redescendre. Par contre, on peut pas arrêter ce truc là. Ah, d'accord, bah maintenant regardez, il tourne et on voit plus de trucs, je comprends plus rien. C'est bizarre, il me semble entendre une caisse avec un mouche. Bon. Oula. Par contre, c'est pas très pratique la caméra, hein. Bon, alors maintenant, bah, on va redescendre tranquillement. Hein. Vous voyez, il m'en renvoie. J'espère juste que le truc roule pas plus vite que moi. Je devrais me mettre comme ça. Bah si, le truc roule plus vite que moi. Tain, par contre, il y a juste un problème, c'est que pendant que je marche, il essaye de... La caméra, elle se remet derrière moi en fait. Voilà, maintenant on va redescendre par là. Ah tiens, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Puis on va aller loin. Une petite découverte, on va aller très loin, je vous le dis. Attention à la boîte des couloirs. Ouais, d'accord, je m'en doutais un petit peu qu'elle allait en faire le tour. Je suis pas sûr que moi, si je passais aussi près, je survivrais, vous voyez. Eh, je croyais que je t'avais pas vu. Alors, vous voyez, il y a un petit truc intéressant là, regardez. Un zoomer anti-grave. Fonçons sur ces ballons leur cœur pour les éclater. Ok. Alors là, on, je vous dis, on va s'amuser là. Alors évidemment, ça se contrôle au joystick à croix pour accélérer. Je sais plus s'il y a un frein par contre. Attendez, je vais prendre la vitesse. Ah si, avec le carré, on freine direct. Ouais. C'est pas très probant. Bon, là, on va foncer. Et le bruit des orbes est toujours bugué. C'est bien sympa ça. Alors, ici il faut se manger les lurkers et éviter les deux boules piquantes. Ben, je sais plus si je dois absolument les éviter. Je sais plus si ça me fout des dégâts ou pas. Alors dans le doute, abstiens-toi. Alors là ici il faut s'arrêter. Se mettre là dans l'alignement. Oh super, j'ai raté la dernière. Fallait prendre plus de vitesse. Là, vous voyez qu'il y a une pile d'énergie dans les airs. Je l'ai vu. Elle est super chaude à choper. Normalement cette fois-ci. Ok. Alors toi le ballon lurker, je t'ai vu. Viens par là. Là, vous voyez qu'en bas à droite, au passage, j'ai un indicateur de vitesse. Non, quel con! Je devais plus aller tout droit, je devais aller à gauche pour essayer de choper la pile.
Et ça, c'est pas gagné. D'ailleurs, vous allez voir au passage que l'animation, quand on prend une pile, elle s'adapte selon les conditions, vous allez voir. Et voilà, je m'en doutais, j'ai loupé la pile. Je le savais. C'était pas possible de l'avoir du premier coup. En fait, ce qu'il faut faire, c'est bien s'aligner, se mettre le plus au bord possible pour pouvoir prendre un maximum de vitesse. Bon, en fait, elle est très dure, mais quand on a la technique, ça va. Voilà, vous avez vu, la cinématique de prise de pile, c'est bien adapté au fait que j'étais sur Zoomer. Heureusement, on se prend pas de dégâts quand on prend un mur. Je vais aller par là. Là, on peut passer sous le bateau, enfin dans le bateau. Voilà. Ah, toi, t'arrives au pile au bon moment. Et je l'ai raté. Bien, bien joué. Alors, il en reste un là-haut. Mais tant qu'il est en haut, je peux rien lui faire aussi, c'est ça le problème. En plus, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Hein. Il n'y a plus d'orbes à ramasser. Moi, je ne pense pas. Faut pas que j'oublie qu'il y a celle dans l'arène, entre guillemets. L'arène de tout à l'heure. On s'est frotté à des dizaines de leur cœur. Ah, bah voilà, tu descends pile au bon moment, toi. Allez, hop, tu vas crever. Un peu pris le mur derrière, mais l'autre il est là. Si tu pouvais descendre, ça m'aiderait. Parce que pendant ce temps-là, je suis en train de tourner en rond. Ça doit être vraiment plaisant à regarder. Il est où? Voilà. Le problème, c'est que je suis obligé de tourner pendant 10 ans jusqu'à ce qu'ils se disent « Ah bah tiens, je vais descendre !» Ah, il est là, hein, il est là là-haut. Je peux rien... là, tant qu'il est là en haut, je ne peux rien lui faire. Je précise que j'ai pas d'arme, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Bah, bon, pendant qu'ils décident à descendre, moi je m'amuse. Regardez, il est là. Bon, il est un peu plus bas, mais pour l'instant, je peux pas l'atteindre. Bah voilà, putain, il est temps. Allez, ramassage. Ça y est, les ballons rondes, on a fini. Sauf que je viens de passer dessus et il a rien fait, merci. Voilà, il faut que je m'arrête pile au niveau du truc en fait. Il y a aucun autre moyen de quitter le zoomer. Hein. Alors, on en est où? Alors, il nous manque la pile pour la muse du sculpteur. Il nous manque encore des mécamouches. Là, vous voyez qu'il y a indiqué à droite, il m'en manque 2. Et les orbes, il m'en manque. Oh, il m'en manque 40 quand même. Enfin, j'ai quand même une petite idée de où aller les chercher. J'ai pas, voilà, j'avais pas encore visité cette partie de l'île. Ah voilà, le son est revenu à la normale. C'est déjà bien. Alors toi, je vais te faire ta fête. Ouais, y a des orbes à gauche, on va y aller. J'abats les autres, ça va me servir.
Hop. Ça fait quand même un peu rigoler, je veux dire, il regarde pas du tout dans votre direction, vous arrivez par derrière. Alors vous voyez, la muse elle est là en bas là. Et pour l'instant, je ne pars pas encore à sa chasse, je vais faire ça en dernier. Oh. Petit bug, elle est là-bas. Maintenant, je vais essayer de retourner. Parce que, attendez, il me manque combien d'orbes? Il m'en manque 36. 26. Pardon. Je compte très mal. Toi, tu vas irriter. Ah, j'entends une caisse à mes camouches. Hey, il m'en manque plus qu'une. Ah, je vais récupérer un point de vie. Voilà. Ah, la voleuse, je suis revenu ici. Aïe, connard. Ça vaut bien la peine d'essayer de se redonner de la vie, hein. Ah ouais, ok. Mais pourquoi tous les ennemis sont revenus? Ah oui, c'est vrai que j'étais mort une fois tout à l'heure. J'y pensais plus. Alors le fait de mourir, ça fait revenir tous les ennemis. Mais bien sûr. Allez, on va se faire plaisir là. Je vais vérifier juste. Voilà. Bah, c'est génial, j'ai tout ramassé, j'ai encore dû en oublier quelque part. Il en manque 6. C'est vraiment génial. Non mais... Oula. Bien sûr, vous avez des éléments du décor qui vous passent devant là. Me permet juste de vérifier. Bon, attention à ne pas prendre de bain des coups noirs. Hein. Parce que Daxter, ça l'a transformé en beloutre, mais nous, ça nous tue. J'ai quand même vérifié qu'il n'y aurait pas des cachets là. Non. Par contre, il y en a en bas là. Voilà, elles sont sûrement là. Toi, tu crèves. Merci. Ouais, enfin, super, j'en ai récupéré 3, donc il manque toujours 3 autres quelque part. Hein. Enfin, je vais redescendre. Bon. En plus, il manque toujours une caisse à mes camouches. Je savais même pas qu'il y en avait 2, je vous dirais. Bon. Bon, écoutez, je pense que je vais chasser de la muse, hein. Enfin bon, n'empêche qu'il manque toujours une caisse à mégabouche quelque part dans l'histoire. Aussi. Aïe, je suis pris un mur invisible, mais c'est pas grave. Je vais monter là un coup. Allez toi, viens par ici. Ah oui, bien sûr, elle m'a bien grugé là. Ah. Oh mais non. Allez, forcément elle va changer de sens. Ah.
Ah mais putain. Et voilà, je me fais harceler par des ennemis en même temps, c'est génial. Et en plus le grand lurker, je sais pas pourquoi j'ai dû le taper 3 fois. C'est quoi ce bug? Mais il est où? Allez là. Je vous promets que l'attraper, c'est ma cache quoi. Mais putain, qu'est-ce que c'est ça? J'essaye de faire des grands sauts en fait pour la rattraper. Ah, oh, sérieux, je vais galérer. En plus, c'est le pire endroit pour faire ça. Ah, voilà. Ouais. Un petit côté violent, Daxter. Bon, enfin bref, voilà, maintenant qu'on a la muse, faudra la ramener au... D'ailleurs, ça c'est toujours été quelque chose que j'ai trouvé de très bizarre dans le jeu. C'est en fait, je dois maintenant la ramener au sculpteur pour qu'il me donne la pile. Donc en fait, il va me donner au village des sables une pile de l'île de la brume. Ouais, je ne cherche pas à comprendre. Bon, maintenant, on va partir à la quête des objets qui me manquent. Faut juste y retrouver. Voilà, là je crois que ça me ramène au début. Ouais ouais, je vois le bateau là-bas. On le voit pas très bien mais... On va tout reprendre depuis le début. Bon, j'ai essayé de pas mettre 10 ans à trouver ceux qui me manquent. Donc, non merci, ça me tente pas. Non, par là y'a rien. Mais bon, ça valait toujours le coup de vérifier. J'ai presque plus de vie en plus. J'y faisais même plus gaffe. Bon. Passons pour la caisse de mécamouche. Il va falloir se guider à l'oreille pour la trouver. D'accord, j'ai juste rêvé, il me semblait avoir vu un truc sur le côté. Ah, juste là, voilà. Ouais, pas mal. Bon, ça va, j'aurais pas trop tourné. Donc voilà qui en conclut avec l'île de la brume. Oh là. Oh putain, mais sérieux, j'ai de la chance aujourd'hui. Ça fait déjà 2 fois que je fais ça. Ah ouais, donc maintenant on va retourner au bateau et aller... Merci. Et aller chercher la pile du sculpteur. En lui ramenant gentiment sa muse. Allez, île de la brume, adieu. Bon, tant qu'à faire, on va faire d'une pierre 2 coups. Maintenant que j'ai le nombre d'or, bon, on va payer les 90 à l'oncle et au maire. Comme ça, au village des sables, on n'aura vraiment plus rien à ramasser. Voilà, j'attends que le bateau se colle à l'embarcadère. Allez, au niveau. Ah, vous avez l'intention de faire un don, bien? Il est conséquent, hein, j'espère. Wouhou! Oh oui, c'est un don conséquent, en effet. Eh bien, j'espère que cette pile d'énergie vous dédommagera équitablement. Ça commence à faire beaucoup de choses, hein, dans son sac à dos qu'il n'a pas.
Ah, ça m'a toujours fait rigoler ça dans les jeux. Regardez, attendez, j'essaie de le mettre dodo. Regardez-moi le sac. N'importe quoi. Le sculpteur, c'est par là, je crois. Hein. Ouais. Oh, ma muse! Salut, sauve! Vous êtes vraiment très fort. Tenez, c'est une pile d'énergie. Elle ne me sert plus car j'ai retrouvé mon inspiration. Eh oui, l'inspiration. L'énergie vitale de la planète. Oui, je vous donne une pile car j'ai retrouvé mon inspiration, je n'en ai donc plus besoin. Je vois que vous revenez pour l'échange. Bien, bien, très très bien. Et vous avez le nombre d'orbes précurseurs prévu. Faites bon usage de cette pile d'énergie bien méritée. Ciao, salut, bye bye. Alors j'aime bien le mec qui vous fait ciao, salut et il bouge pas. Ça c'est bien fait le truc. Bon enfin bref, donc voilà maintenant. Maintenant je vous montre tout ça, village des sables, on a tout. Voilà, plage chantier, on a tout, on a tout, on a tout, on a tout, de chaud, on a tout. Alors vous voyez quand même pour 20 piles qu'il me fallait, on pouvait déjà en prendre 34 à ce stade du jeu. Enfin bref. Donc maintenant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. En plus, je monte là-haut pour rien, puisqu'en recherchant la sauvegarde, il va sûrement me remettre chez Samos, je sens bien venir. Voilà. Voilà le fameux canyon de feu que nous ferons dans la partie suivante, avec le petit zoomer que vous voyez là. Allez, on va s'arrêter ici. Je vous dis ciao. Et à la prochaine! Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what I'm counting on.